petit roman de Bloom. Non, je viens de film. C'est pas toi, pareil. Toi, t'es vraiment une meuf de 2020. Quoi. T'as besoin de tes produits. Bah, toi aussi. Moi, je suis une meuf de 2020. T'as besoin de tes monstres. Évidemment, c'est pas la même chose. Bah, il faut filmer les courses. On fera d'autres courses, pas celle-là. Allez, on veut tous savoir ce qu'il y a. Je peux juste montrer ce dont je suis fier, si tu veux. Ouais. Voilà. Ouais, c'est personnel. Le mouvement avance, le mouvement mental au zéro, les rayons sont vides. C'est un mouvement, toi, d'être addict à l'aspartame et au sucralose. C'est un très bon parce mouvement. Parce que je veux en être le leader. Et c'est trop bon. Franchement, Mais toi, je t'ai offert, hein. Bien joué, gros. Donc, dans ce plat, les amis, on a du curry, de la sauce, beurre de cajou, beurre de cacahuète, des graines de pavot, du sel. J'ai mis de l'eau pour que ça se liquéfie, sinon c'est très épais. Un oignon rouge et du tofu curry mangue. Au moins 1300 calories, je pense. Toi, t'as 40 calories. En train de se remettre, voilà. Elle a traversé un jour difficile du point de vue intestinal. Donc, je fais ce qu'elle supporte. Tofu caramélisé. Madame, tu portes le tofu caramélisé. C'est une merdaque en fait. C'est le seul aliment qui passe. T'es malade, tu m'invites au restaurant gastronomique. Bah écoute, dis ça à mon intestin. Hein. Mais en fait, je vais le vendre tout plat là. Je vais sous stress. Chiasse is the new shred. T'arrives plus à manger, Bloom. Je renonce, épisode 3. Non. C'était bien. Non, je plaisante, les amis, faut encore qu'on fasse bras. Vous savez, toi tu jettes, ouais. Aujourd'hui, les amis, je vous montre comment faire vos biceps et triceps de plein de méthodes différentes à la maison avec des élastiques. Mais vous allez voir qu'on va essayer de se la jouer un petit peu ingénieux. Professeur Tim sur Windows 98, ça vous parle? J'ai 28 ans, moi c'est mes références, ok. Et c'était un jeu où il fallait construire. D'accord. Tu mettre une balle de tennis là pour que ça fasse une balance. Et... Ouais, mais moi je suis dyscalculique, jamais de la vie je fais ça. Tu peux pas justifier tout avec ta dyscalculie. C'est pas du tout ce que je fais. Tu sais, je suis sûr, si t'avais le permis, tu l'as pas, vu que t'es dyscalculique. C'est pas ma faute, tu sais, l'agent, je suis dyscalculique. Tu vas le payer très cher. Je vais le payer très cher, c'est-à-dire? Moi, je sais pas. Tu sais pas, parce que t'es dyscalculique. Mets-moi tes bras, alors. Voilà. Donc, il va me falloir un saco et des choses dedans. On va cumuler sac élastique. Vous allez voir, c'est une excellente méthode pour obtenir de l'intensité avec au final pas grand chose. Voilà. Juste avant de démarrer, voici une image que vous pouvez screenshot du training entier. Comme ça, vous pouvez le mettre dans vos petites photos. Ça vous fait une bibliothèque d'exercices. Tu sais ce qui serait fun? Des vlogs porno sur Pornhub. Après, on va se faire contacter et tout. Par? Bah, par les agences de prod. Et alors, s'il y a du fric à se faire? Mais le tour du monde et... Putain, on fera le tour du monde sur Pornhub, c'est bon. Donc comme je vous ai dit dans je sais plus quel autre vlog, moi j'ai plus de monsters que de livres ici, donc je remplis avec ce qui pèse. Vous allez voir, l'intérêt c'est de combiner un poids qui on va dire faiblard, pour moi en tout cas pour mon niveau, avec un élastique. Et comme ça vous décuplez en fait le truc, ça devient extrêmement intense tout de suite. Donc avant de démarrer les amis, un petit rappel anatomique qui fera pas de mal à tout le monde. Si vous voulez optimiser votre progression, autant que vous regardiez un petit peu dans le miroir à quoi vous ressemblez, et que vous voyez quels sont les points forts, quels sont les points faibles. Et comme ça vous allez travailler directement sur ce qu'il faut. Vous allez obtenir une shape absolument irrésistible, et ce sera grâce à moi. Et ça moi j'en ai besoin, d'accord. Le biceps d'abord, il y a on va dire trois parties pour faire simple. Vous avez le biceps court, le biceps long et le brachial antérieur qui est en dessous. Chacun de ces trois muscles peut être non pas isolé mais on va dire priorisé par des mouvements. Si c'est votre point faible, et ben je vous conseille de commencer votre séance par ça, puisque c'est toujours au début de la séance qu'on a l'énergie, tout simplement. Pour voir si vous avez un point faible au biceps court, en fait vous faites le pix comme ça. Et si vous voyez que c'est beaucoup moins impressionnant que quand vous êtes comme ça, c'est que le côté court est plus faible. Moi c'est plutôt l'inverse, voilà, on le sait. Donc c'est plutôt de face que le biceps est moins impressionnant chez moi, donc le chef long va être à prioriser. Pour prioriser le biceps court, vous allez mettre votre chef long en position faible. À ce moment-là, il restera que le chef court. Pour le mettre en position faible, il faut mettre les bras devant. Donc par exemple, si vous faites un exercice avec un élastique que vous accrochez là, et vous faites comme ça, là ça va être davantage le biceps court. En salle, ça va être le curl pupitre, ou le spider curl, quand on se met sur un banc comme ça. Bref, quand l'humérus est placé devant votre corps, vous allez plus recruter le chef court. A l'inverse, si vous voulez recruter le chef long, comme moi j'ai besoin, il va falloir placer le bras derrière, tout simplement. Moi, généralement, je fais des séries, vous allez le voir tout à l'heure, où je mets des élastiques accrochés derrière moi, je tends exprès mon bras, donc il y a une tension qui se crée ici, et je
fais du curl comme ceci. Ensuite, si vous voulez prioriser votre brachio antérieur, ça va aussi recruter énormément votre avant-bras. Vous allez voir, le brachio radial, ça s'appelle ici. Ça va être la prise neutre. Donc tout simplement les exercices qu'on appelle curl marteau par exemple, où la main est positionnée dans cette position-là. Supination neutre. Pronation. Voilà, retenez bien ça, c'est extrêmement utile en musculation. Pour vous en rappeler, supination, vous supportez ou sous-pesez les bourses. Voilà, neutre, je sais pas. Pronation, vous prenez. Donc c'est parti pour 3 gros exercices de biceps parce que moi j'aime ça les bras. Moi j'en ai besoin. Un aspect pratique d'avoir des objets identiques comme ça, des monsters dans le cas, mais prenez des bouteilles d'eau, hein. C'est qu'en fait ça devient traquable. Traquer sur l'élastique c'est difficile, mais si la semaine prochaine là, je reprends le même élastique avec 2 monsters de plus dedans, en imaginant que je les ai pas toutes bu, j'aurais progressé. C'est très facile à traquer comme ça, donc je vous le suggère vraiment avec des bouteilles d'eau. Vous rajoutez une bouteille d'eau de 1 litre chaque semaine, ça risque d'être difficile, vous pouvez peut-être prendre des demi-bouteilles aussi, genre une juste. Ça c'est un gros avantage des élastiques, si vous avez jamais testé vous allez être surpris la première fois, le level de congestion que ça vous donne vraiment. Là j'ai fait que 4 séries, là c'est bon, ça peut pas grossir plus mon bras, c'est bon. Ensuite on va passer à l'exercice dont je vous ai parlé pour privilégier la portion longue de mon biceps, point faible. Là c'est trop facile, donc attention, un move digne vraiment de l'aspirant au doctorat, hein. Je m'avance. Astuce si vous voulez avoir vraiment des gros bras visuellement, c'est d'acheter le t-shirt de Lucas Gouiff. Hein. Ça fonctionne. Il y a eu de la réflexion qui est passée dedans. Ensuite, troisième et dernier exercice de biceps pour moi que je déconseille pour les débutants, que je conseille pour les avancés comme moi, puisque 3 exos, ça peut commencer à faire beaucoup si vraiment vous démarrez. Du curl en supination, mais une supination semi-neutre, on va dire, parce que j'ai les poignets fragiles et qui ne sont pas adaptés pour la supination. C'est pas le cas de tout le monde, donc testez tout simplement. Suivez un peu votre ressenti. Alors coach, qu'est-ce que tu penses de mes bras? Franchement, ils sont big, hein. Big. Bah oui, hein. Je trouve qu'ils sont... débiles, tu vois. Ah ouais, ah ouais. C'est coach professionnel qui dit, donc automatiquement, hein. Mais c'est pas fini, là. Non, c'est pas fini, il faut faire triceps, toi-même tu sais, donc corrige-moi si je me trompe. Le triceps composé de 3 chefs, c'est pour ça qu'il s'appelle triceps. C'est pas vraiment possible d'isoler les 3 séparément. On peut isoler un peu, enfin prioriser la portion longue, si je n'abuse, en l'étirant légèrement. Il y en a qui vont vous dire, en faisant comme ça, je sens mieux et tout. Non, ça c'est pas prouvé chacun. Scientifiquement, mais après, le ressenti, moi je ne nie pas que ça existe. Et puis en plus, on a aussi une connexion cerveau-muscle. Peut-être que certains ont un système nerveux qui leur permet vraiment de décider et tout. Moi j'arrive pas trop à isoler mieux que la portion longue ou pas la portion longue. Toi non plus ? Non. Voilà, quelque part peut-être qu'ils disent n'importe quoi. Pour isoler la portion longue, c'est très très simple. Vous allez faire les mouvements classiques d'extension du coude qui sont assez connus, mais pour les débutants vraiment, c'est en gros quand vous allez pousser comme ça, quand vous allez tirer une corde verticalement comme ceci, c'est le triceps qui va travailler. Donc il suffit de faire ce mouvement là, d'ouverture du bras en fait, mais en ayant les humérus légèrement au-dessus de la ligne d'horizon. De cette façon, comme elle est placée en position d'étirement en priorité, bah, c'est elle qui va être recrutée d'abord. Donc pour ça, on va faire par exemple un exercice comme ceci où je m'accroche un élastique en hauteur et je tire comme ça, avec les bras ici. Si vous regardez bien, c'est le même mouvement que quand je fais ça, hein, mais le positionnement de départ n'est pas le même, donc ça a un autre intérêt. Donc je vais faire les deux. Et je me finis à la main. Je finis après avec des pompes spéciales qui recrutent majoritairement les triceps, même si bien sûr c'est un mouvement polyarticulaire, les pectoraux vont être engagés, les épaules aussi, mais ça priorise bien. Je vous ai pas filmé, mais j'ai fait aussi des exercices abdominaux. Je vais faire des vidéos plus isolées sur les abdominaux. J'essaie de manager le timing de la vidéo complète. On va se faire un bon petit repas façon vegan bulk, prendre de la grosse masse. Je vous montre ça tout de suite. Donc les amis, ce soir je vais faire un repas un peu plus léger en protéines parce que j'en ai trop, parce que mon sponsor by protein est trop efficient, d'accord. Ça va être une espèce de soupe lait de coco thaïlandaise, quoi. Voilà, tout simplement. Je vais mettre plein de petits légumes variés que je laisse assez croquants, avec des nouilles de riz, du lait de coco, de l'eau, que ce soit pas que du lait de coco dans quoi on boit quand même, hein, c'est très gras. Quelques pois chiches pour qu'il y ait quand même un petit peu de protéines. Et un petit jus de citron à la fin pour révéler les saveurs que j'aurai placées à l'intérieur de ce mets, qui vont être de l'ail, quelques bouts de noix de cajou brisées, un petit peu de piment pour que ce soit relevé. Pourquoi pas, si l'envie m'en prend, une pâte de curry. Mais on sait pas.
j'ai mis un tiers du pot, ce qui équivaut à... Ah, fallait pas que je le mette entier. Ça va être une soupe au citron vert. Par-dessus, on va se mettre de la petite noix de cajou brisée. C'est quoi cet accent, là? C'est l'accent du midi, de ma mamie. Elle le disait, mamie Jackie. Elle disait, ah, Sagui ne m'en parlait pas. Et voilà, du poivron, de la carotte en lamelles, de la courgette en lamelles, un petit peu de citron vert, de la noix de cajou à la fin. Et on a un bon petit plat bien fat pour les gras et les calories, hein. Moi je vais manger ça et vous lécher ici. Hein. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et merci à tous pour l'engouement autour de ce vegan bowl qui a de plus en plus d'inscrits. Là on doit être 120 là. Et puis il y a des mails toutes les nuits et tout. Donc merci, ça fait énormément plaisir de voir que mon travail peut aider certaines personnes. Déjà plus de 10 on est yam, voilà, c'est utile. À se bouger, à retrouver une relation avec leur corps positive, tant qu'à faire, parce que généralement ils en ont déjà une mais elle est pas bonne. Prenez le temps de changer à votre rythme, respectez-vous, soyez patient, faites ça dans la bonne humeur, la bonne ambiance, réapprenez à manger, à découvrir, à vous émerveiller. Et des enfants. Ok, on va s'arrêter là, c'est déjà pas mal. Bisous les amis. Je peux te donner des petits tips de théâtre, hein. Vas-y. Bah là j'en ai pas, mais je vais en trouver. Wow.